Vas-y, je le cut. Et voilà. Putain. Et voilà, Dan Bayou, vous respecte pas les potos. Mais bizarre la playa. Abandonne le Bayou, potos. Go. Hey, salut à tous, bon stater, j'ai prêt pendant vos commentaires, hello, welcome to Fly les potos, j'espère que vous allez bien. On se met bien, voilà, on commence la petite game sur la nouvelle map Favela du coup. Oh putain, il m'a fait peur ce connard. Ok, ça commence bien les potos. Bon, du coup, c'est la nouvelle map, c'est Favela sur le jeu Rainbow Six. Un petit live commentary, voilà, comme vous pouvez le voir, en mode on se met bien, quoi. Alors évidemment, je vous la referai un de ces quatre en live commentary. Si vous le demandez, ça va arriver très vite, je pense. Si vous êtes pas trop, si vous aimez pas trop les live commentary en dehors de Call of Duty ou autre, je peux comprendre. Donc du coup, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en disant si déjà vous kiffez ou pas les live commentary sur Rainbow Six. Et aussi si vous en voulez plus ou sur d'autres jeux, évidemment. Par contre, moi, ça restera généralement sur Rainbow Six parce que j'ai pas grand-chose. Et du coup, voilà quoi, qui plus est. Et du coup, en bref, ce que je voulais vous dire, c'est que cette map-là, qui est donc Favela, il y a le Corcovado, tout ça, c'est vraiment beau. Cette map est très très grande. Et bah celle-là, moi je l'adore, et elle existe aussi de nuit en fait. Et j'aimerais vous la faire découvrir, un de ces quatre. Et de nuit, elle est magnifique parce que... Je vais même pas vous dire pourquoi, parce que franchement, vous verrez par vos propres yeux, vous allez voir, vous allez kiffer. Moi personnellement, j'ai kiffé, donc peut-être que vous allez kiffer, j'en sais rien, peut-être vous avez pas spécialement kiffé. Mais honnêtement, moi j'ai kiffé, et moi ce que j'aime bien là dans ce côté-là, quand on va à côté, on attaque quoi. Quand t'as le petit drone là, comme ça, tu peux taper un foot en fait, avec... Enfin, je vous montrerai tout à l'heure ça aussi, vous comprendrez, bref, bordel. C'est un peu le bordel là, dans ma tête là, moi je comprends tout, mais vous comprenez rien, c'est normal, vous en faites pas. Donc du coup les potos, j'espère que vous allez bien, tranquille le petit caillou, voilà, quoi. Et du coup, ça va se barrer en couille, voilà. Peut-être que ça va durer moins de 15 minutes, ou ça va durer un peu plus de 16, 17, 18 minutes, j'en sais rien. Mais j'essaie de vous proposer évidemment un gameplay de fou malade, hein. De gros baisers, évidemment, là, je fais de la merde, parce que je fais de la merde, tout court, on va pas chercher plus loin. Et du coup, vous en faites pas. Si ce commentaire-là, que vous écoutez à l'heure actuelle, il passe sur un highway, ça veut dire que il y a eu un carnage, c'est sûr. Il y a une manche plus tard où il va avoir un carnage, c'est sûr. Ou alors, il va avoir un kill super marrant, ou un gros délire de fou malade, ou un truc super intéressant. Donc vous verrez, vous en faites pas, vous allez pas vous faire chier. Donc la petite salle, salle du cannabis, là, avec des feuilles qui traînent, tranquille, petit caillou, là, le mec se met bien. Donc du coup, ben, les potos, j'espère que vous allez bien. Et du coup, vous attendez pas un sujet précis, hein, je vous le dis, là on est en live commentary, c'est-à-dire freestyle. Pas le temps de niaiser là, s'en bat les couilles, frère. Wouh. Et du coup, ah d'accord, lui il a... Ah ouais, si, exact, en fait, il a tapé sur... En fait, il y a des lasers des portes, certains, c'est un mec qui a cette particularité qui peut mettre des lasers des portes. Et en fait, si tu as le malheur de passer, tu exploses, mais si tu as aussi le malheur de passer ton arme ou même de mettre un coup de crosse dedans, et bien en fait, t'exploses. Et du coup, lui, il a juste voulu péter la porte, mais évidemment, il a pété le... Il a tapé dans le laser, donc du coup, il a explosé comme une pauvre merde, le pauvre. Là, c'est... Enfin, pardon, quoi. Pardon, quoi. Mais je te le dis, tu pues la merde. C'est le gros bâtard. C'est le mec qui est en train de pleurer et tout, en mode... Mais Mathieu, avec ce laser de... Mais tu pues la merde! Mais vas-y, mais tu pues la merde, je te dis! Le mec, il met bien le couteau dans la plaie jusqu'au fond, tu sais. Robatard.com, quoi. Bon. Ah! Ils veulent virer un allié. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Si donc, qui plus est, Jean-Henri Louis XVI! Ok, calmez-vous. Donc, voilà, comme vous voyez, c'est une nouvelle mise à jour, du coup, qui a apporté cette map et qui a donc une nouvelle présentation des personnages. Présentation à la Clash Royale, là. Non, je rigole. En vrai, la vérité, on dirait des cartes, quoi. Bref, mais c'est... Je trouve ça bien, mais bof. Enfin, là, peu importe, en fait, les présentations changent à chaque fois, j'ai vu. Mais c'est pas plus mal d'un sens qui fasse du changement, c'est important, mine de rien. C'est toujours la même chose, c'est chiant, bon, normalement. Mais là du coup ouais ça change, mais la map franchement ils ont géré parce que ça me rappelle du coup, je sais pas si vous avez connu le jeu Max Payne 3 sur Xbox 360 je suis pas sûr, sur PS3 j'en suis sûr. Et s'il existe sur Xbox je crois pas. Et franchement ce jeu il était énorme, j'ai kiffé, il était super beau pour un jeu PS3 justement. Coucou petit drone, sale bâtard de merde, tu vas m'énerver là. Alors attends par contre, vas-y laisse tomber les drones, je m'en bats les couilles.
Moi j'aimerais juste savoir. Ah oui, c'est au-dessus, voilà. Je me disais où est-ce que c'est pour se barrer, mais. Ouais, c'est ça, je vous disais, petite salle de cannabis là. Le mec, genre normal quoi. Pas le temps de niaiser là. Du coup, je vais essayer de vous faire un commentaire plutôt pas mal, mais. D'où tu me regardes? D'où tu me regardes comme ça là? Tu connais pas moi? Moi je suis un malade moi! Hein? Ouais, c'est ça, victime baisse ses yeux. Je crois que ça a explosé à côté de moi. C'est juste une intuition. Enfin, intuition. Oui et non, mais. Juste un propos. Ah! Ça c'est bon ça. Ok, c'est là-bas. Ok, c'est là-bas. Très bien, très bien. Bon, j'ai compris, ils sont là-bas. Ils sont où? Ils sont là-bas. D'ici, je peux en avoir? Ah ouais. Touché, touché! Coulé! Ok, ferme ta gueule, basta. Oh putain, là, c'est un peu la merde. Je vous l'avouerai. Je vous l'avouerai. On est dans le caca, les potos! Ah, ok, il y a un ennemi là. Un ennemi là. On n'a pas un plus loin. Ok. Je peux tenter un truc. Mais celle-là, c'est au nom de la Nmaway parce que, franchement, ça va être lourdingue. YOLO POTO NMAYWAY! Oh oh! NMAYWAY! Ouh la 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 la, mazette! Et toi là, qu'est-ce que t'as là? Tu connais pas la NMAYWAY, c'est ça hein? Hein? Moi je vais te la faire connaître la NMAYWAY, voilà! Oh là là! Voilà! Couteau, couteau! 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 Voilà quoi? Tranquille, le petit caillou, le poteau! Voilà, on se met bien. Par contre, à chaque fois, je me fais niquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tombe sur cette map, c'est pas la première fois que j'essaie de faire ces commentaires, malheureusement. C'est un petit peu comme la deuxième ou troisième fois, je crois bien, ouais. Et malheureusement, chaque fois, je fais pas attention, mais je dépasse les 15 minutes. Je dépasse les 15 minutes. Et du coup, systématiquement, vu qu'avec la PSK, je peux enregistrer que 15 minutes, bah vous perdez des minutes au début du gameplay. Donc du coup, je me dis, non, c'est mort, je recommence tout. Sauf que du coup, je suis obligé de faire un milliard de games avant de retomber sur cette putain de map, quoi. Et du coup, c'est la merde. C'est pas comme Call of, tu sais, où ils te proposent 3 maps ou 2 maps, et du coup, tu choisis. Non, bah non. Évidemment, ceux qui choisissent, toi, tu fermes ta gueule. C'est tout. Alors du coup, je vais enregistrer. Par contre, vous risquez d'avoir un blanc. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà quoi. Ça arrive à tout le monde de décéder en plein commentaire. Aïe, bordel! Ok, donc calme-toi. Ah oui, au passage, j'ai oublié de vous dire. Quand vous savez que c'est Basta qui commente, n'hésitez pas à prendre un doliprane d'avance ou de l'aspirine, au choix. Et ne jamais. Pour ceux qui prennent des choses. Des substances qui font tourner la tête. Évitez. Enfin, déjà qu'on comprend pas grand chose quand vous êtes en mode normal en fait. À mon avis, après c'est pas la peine. Hein. Tu sais, j'ai déjà essayé. Enfin, il y en a, je pense qu'ils ont déjà essayé d'écouter un commentaire de moi, mais je pense qu'ils ont dû arrêter. Ils ont dû se dire c'est pas la peine, on comprend déjà rien à la base, alors bourré ou autre, c'est pas la peine, non non. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est un peu le bordel généralement. Là je vais foncer dans le tas, alors est-ce que je vais me refaire niquer comme une pauvre brêle, comme Jacques? Bref, ferme ta gueule, donc du coup j'en sais rien, voilà, peut-être que oui ou non, aucune voilà, quoi, c'est un petit peu aléatoire des allées et venues quoi. J'étais bien terre. Oh putain, il y a son pote pour le sauver, bordel de merde. Ça me vénère. Regarde, Théma. De où le mec va savoir que je viens de là? Regarde. Ça me vénère. Putain, j'ai mis son pote allié à terre. Donc du coup, systématiquement, vu qu'il m'a buté, hein, lui, il va pas mourir, bordel de merde. Putain. Et pourquoi? Parce que j'ai des alliés, comme d'habitude, qui me suivent jamais. Il pète un câble. Non, c'est bon, vas-y, bah écoute. Mais c'est franchement, par contre, honnêtement, à chaque fois, putain, j'ai eu peur, je crois que j'avais coupé mon micro, je me suis dit ça y est, j'ai tapé un commentaire encore pour rien. En bref, à chaque fois que je vais avec mes potes, que ce soit avec Légende ou d'autres, on fonce dans le tas tous ensemble, vous pouvez être sûr que, franchement, il y a plus de 75% du temps où on gagne la game direct.
Par contre, ça, c'est très rapide. Hein. C'est vraiment, les mecs, ils ont pas le temps de... Ils ont pas le temps de se coiffer, en fait, tu vois. C'est au moment où ils me passent leur main dans leurs cheveux. En fait, ils ont déjà le bras qui tombe, premièrement. Et après, bah, c'est la fin de leur game, quoi. Fin de leur vie dans le jeu. Rassurez-vous. Calme-toi tout de suite. Voilà, quoi. Par contre, ça va être chiant. Ça, moi, c'est un truc que j'ai horreur dans les jeux vidéo. C'est attendre les putains de campeurs. C'est là, tu vois, lui, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Les ennemis ils peuvent pas sortir dehors. Enfin, ils vont sortir. S'ils sortent dehors, c'est marqué tout de suite ennemis à l'extérieur, détecté à l'extérieur. Et en plus, tu vois son pseudo à travers tous les murs, donc t'es sûr et certain de le choper. Alors pourquoi il fait ça, bordel de merde? Regarde, le mec il prend 10 ans. Putain, c'est un truc de ouf. Alors que lui a compris le truc, tu vois. Lui il fonce dans le tas. Enfin, il fonce dans le tas. Il fait pas aussi ouf que moi. Il voit même pas l'ennemi là. C'est normal, c'est pas un ennemi. Alors, c'est pas un ennemi, d'accord. Il fait pas le ouf, il fait pas comme moi, il a raison. Il faut y aller tranquillement et tout, voilà. Mais par contre, il est pas comme l'autre à rester dehors. Regarde l'autre, il est encore dehors là. Qu'est-ce qu'il fait, bordel? C'est un mort, tu le vois depuis tout à l'heure là. Oh là 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 là. Et là, le plus marrant, ça serait qu'il tombe et qu'il meurt. Trop prévu quoi. Enfin franchement je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça le gros débile. Putain. Et voilà, voilà, en plus il fait perdre sa putain d'équipe. Ah bah bravo. Ah bah ah, alors là je te félicite pas hein. Franchement ah, bravo hein. Putain bordel de merde. Oh là 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 là. Mais vous comprenez on remarque direct le mec il sait pas jouer, tu vois, le mec il va niquer toute ta game. Le moment où tu dis vas-y c'est pas la peine quoi, autant démissionner là, c'est plus la peine. Non non, c'est mort, c'est la fin. Non mais c'est abusé gros. Et à un moment donné, stop. Stop quoi, calme-toi. Bon par contre pour la de My Way, je vais essayer, voilà, de faire un gameplay de dingo, de psychopathe, de fou malade. Déjà c'est sûr il va passer rien que pour ce qui s'est passé là. Déjà je le prévois d'avance, tu sais, sans me dire que ça va réellement se passer, et le mec il le fait quoi. Mais réfléchis bordel, t'es en haut d'un toit, saute pas bordel. C'est abusé quoi. Le mec tu lui dis de sauter d'un pont, il le fait quoi. Faut arrêter quoi. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore là? Oh les jolis tableaux. Oh là là, et vous savez que je transpire quoi, à force de gueuler comme un gros plan. C'est un mec trop ouf quoi. Là l'idée c'est d'essayer d'en rattraper d'autres, tels des Pokémon dans les bois, voilà. Ah basta, pourquoi tu détruis la trappe, machin, mais parce que c'est le plus important. Ouais vas-y venez ici, mais c'est pas ici les poteaux, hein. Ouais, c'est pas non plus là. Par contre moi je sais pas viser, je suis tellement concentré par ce que je veux vous dire que je fais de la merde. Ah voilà putain j'ai enfin buté, voilà deux. Ok, ils peuvent arriver par là, ils peuvent arriver de n'importe où en fait. Bon, en fait, peu importe où ce que je vais, je suis dans la merde quoi. Voilà. Putain, ils me font chier à fêcher avec ces caméras parce que du coup, je revenais en là. Ah, j'ai vu, là-bas. Ok, d'accord. C'est là-haut, ok, très bien. Ok, la con. Non, par contre, je fais pas de mal. Parce que là, mon poteau. Voir quelqu'un. Ouais, j'ai que cru en fait. Il m'a vu. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Ouais, vas-y, ouais, vas-y, fais Magikarp, ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si vous avez vu le mec, comment il s'est éjecté en mode Magikarp. Oh lui. Oh lui. Vas-y, reste là, tranquille. Tranquille, petit caillou. Décède, petit con de merde. Qu'est-ce que t'as là-haut, là? Je t'ai touché. Oh, grenade. Ah. Voilà, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Ça va, j'ai rien. Vous savez que vous en battez les couilles, mais à un moment donné, il faut me respecter aussi, quoi. Il est juste là, derrière ça, là. Vas-y, montre-toi, là, putain, là. Putain de tarage, je voulais dire. C'est la putain. Attends. Je vais juste signaler à mes potes où est-ce qu'il est. Ouh, play. Voilà.
peux rien faire par ici là. Je vais tenter quelque chose mais. Ouh là là, non, c'est bon, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Tranquille. Calmos, amigos. Putain, mais c'est partout une zone machin là. Pète les couilles. Ok, il en reste combien de ennemis? Oh. Je le cut pour vous les potos. C'est un cadeau. Voilà. Mais où est passé le respect, basta? Le respect, je l'ai mangé parce que j'avais trop la dalle. Nique sa race. Ok, il est là-haut. Ok. Donc en fait, si je le bute, si je me trompe pas... Non, c'est pas un ace, mais par contre, c'est un 4 kills. Vas-y, je le cut. Et voilà. Putain. Et voilà, Dan Bagou, vous respecte pas les potos. Putain, les pauvres, quoi. Mais merde. Eh, mais faut que j'arrête, ça se fait pas. Là, c'est limite inhumain, quoi. Par contre, je vais re-enregistrer. Parce que j'en sais rien si ça va être encore trop long ou pas. Et j'ai pas envie que je perde tout le gameplay, je te le dis carrément. J'ai envie de vraiment tout garder. Parce que là, voilà quoi. Voilà quoi, là, franchement, c'est du lourd. Hein. Là, en plus, enfin, là, par contre, ça me fait chier parce que là, je suis pas côté défense pour la dernière manche. C'est la prolongation, donc c'est la toute dernière manche, savoir si on gagne ou on perd. Par contre, si on perd. Je fais le tour de ma ville à poil. Voilà, je le jure. Je te jure, je le fais si je perds. Par contre, si je gagne, vous lâchez un putain de like, les poteaux. Pour la On My Way, pour la team. Et ça fera toujours plaisir, évidemment. Alors, évidemment, vous doutez que je vais pas faire fou malade. Et ouais, nickel. Non, je rigole. Non, je vais quand même faire le baiser. Moi, c'est pas une question de défi ou quoi. Là, c'est juste une question que j'adore jouer comme ça, en fait. Pour moi, c'est un pur plaisir de jouer comme ça. Et donc, du coup, bah, je vais essayer de... Voilà, quoi. Bien. Voilà. Ne tire pas dessus, s'il te plaît. Je suis en train de tirer sur les drones. Moi, je sens trop l'allié là qui va me faire... t'as essayé de me tirer dessus, alors je vais te tuer. Ouais, c'est ça. Ouais, va pas niquer mon défi, s'il te plaît. Alors par contre, est-ce que... comment on fait s'il y a un allié qui essaie de me buter? Mais putain, mais... Merde, voilà. Faites les couilles, eux. Drone de merde. Ah, voilà, c'est par là que je voulais passer. Ça m'étonnerait pas qu'il passe par là. Putain. Je te jure, je suis en mode stress, du coup, vous me stressez, bande de cons. Enfin, bande de cons, c'est amical, les potos, vous en faites pas. Oui, parce que... je sais pas pour vous, hein, mais moi, je traite plus mes potes que tous les autres, en fait. C'est l'amitié pure. Putain. Allez, ils sont où, là? Ils ont détruit les machins, là. Du coup, on peut pas les repérer. Ah. J'ai vu un fantôme. Ça commence mal, en fait. Ok. En dessous, ok. Putain, et je vous assure, là, je suis en mode... En mode stressé de la vie. En mode joue ma life. J'ai entendu. Ah, là. Oh là 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 là. Putain, les potos, j'ai trop envie de vous faire un bon carnage de ouf là, mais je sais pas ce qu'ils sont. Alors, du coup, c'est compliqué. Putain, mais ils sont où ces bâtards là? Mais y'a personne! What the fuck? Mais où est-ce qu'ils sont ces gros cons? Oh, je suis sur le canapé, j'ai trop envie de plus bouger en fait. Je suis posé. Oh! Ici c'est ouvert. Et à mon avis, il y a une raison. Oh là là! Allez les gars, je suis en stress total là. Ok, c'est bon. Oh lui. Je sais où ce qu'il est. Attendez, j'attends. Faut faire ça stratégiquement. Ok, j'attends qu'il se mette derrière le mur là. Dès qu'il est derrière le mur, je fais sauter le mur. Bah les couilles. Je fais sauter le mur ou je tire? Non, je tire. Se sauter le mur, c'est trop simple. C'est-à-dire que systématiquement, il va mourir. Alors que là, c'est pas rigolo. Par contre, là, s'il arrive, voilà. Ah, putain.
putain, il avait commencé à monter ce bâtard. Là, là, il est là. Attends! Ouh là 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 là. Vas-y, essaie de rentrer. Il est pas rentré de toute façon. Ah, par contre, il est à la fenêtre, le gars. Oh là 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 là. Oh, c'est la merde, les poteaux, je vous assure là. Oh, il est rentré. Protégez le conteneur radioactif. Je me cache. Sécurisation du conteneur radioactif en cours. Éliminez les ennemis. Ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur. Oh, YOLO! YOLO! C'est bon, on a gagné! Oh! On vous a niqué, bande grand taré! Allez, bon, ok, vas-y, tranquille, petit caillou. Un petit 10-0-2, hein. Qui est le meilleur joueur? Qui est le meilleur joueur? C'est la On My Way! Ok, vas-y, tranquille, petit caillou. Bon, du coup, voilà. Voilà quoi! J'espère que ce bon petit commentaire vous a plu, les potos. Franchement, c'était un plaisir de faire ce putain de commentaire de fou malade. Il a duré 20 minutes, en fait. Putain, ça fait beaucoup. Vas-y, bah, les couilles. Bah, les couilles, au moins, vous voyez, il y a Favela, la nouvelle map. Vous voyez un peu les délires et tout. Et puis voilà. Vous voyez les baisers de la On My Way qui font des gros carnages sur n'importe quel genou. On s'en bat les couilles. Lâchez un putain de like, les potos. Abonnez-vous à la On My Way. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez. Tranquille, le petit caillou. Lâchez un putain de like, les potos.